Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques, enseignant, professeur de musique en région parisienne, en fonction toujours. Merci de votre présence nombreuse ce soir pour ce premier webinaire. Pourquoi ce premier? Pour cet avant-dernier webinaire des cahiers pédagogiques consacré au numéro 569, enseigner la créativité. Donc merci de bien vouloir conserver vos caméras et vos micros éteints. Vous pourrez intervenir par le chat qui sera scruté aujourd'hui par Yannick Mével, qui est directeur des publications des cahiers pédagogiques, et Jean-Michel Zakartchouk, qui est un membre éminent de différentes instances des cahiers. Vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire lors de l'inscription, et c'est ce questionnaire qui nous a permis de bâtir ce séminaire, ce webinaire. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions individuellement, car elles sont trop nombreuses. Nous avons fait une sélection en espérant qu'elle pourra nous permettra de montrer la richesse de ce dossier. Évidemment, je vous invite à vous y référer si vous n'avez pas la réponse à la question que vous vouliez poser. Vous pouvez acheter ce numéro sur notre site, notre nouveau site, vous abonner à la revue qui paraît 8 fois par an, acheter les hors-séries numériques, les petits cahiers, toutes nos publications, mais également adhérer pour soutenir une action pédagogique militante, une revue d'importance dans le paysage pédagogique français et d'ailleurs. Nous vous donnerons les liens dans le chat. Ce webinaire sera mis en ligne rapidement, demain ou après-demain. Vous pourrez donc revoir ou solliciter les collègues qui voudraient s'informer sur le sujet. Avant d'interpeller nos invités, en fait, puisque c'est un sujet du dossier et la créativité, nous aimerions vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre, si vous le voulez, dans le chat. Comment rendre ces webinaires qui ont une forme relativement stricte, voire austère, créatifs? Voilà, comment donc rendre ces webinaires créatifs? Pouvez-vous répondre dans le dossier et dans le chat, pardon, et j'ajoute une autre question. Que vous inspire l'arrière-plan que vous voyez derrière les intervenants? Que pouvez-vous imaginer d'eux? Donc, je vous rappelle que nous sommes dans un cadre bienveillant. Vous pouvez là aussi répondre dans le chat et Jean-Michel et Yannick nous donneront vos interventions. Aujourd'hui, nous accueillons les deux coordinatrices de ce dossier, ainsi que deux auteurs, une autrice et un auteur, donc, qui vont se présenter. Caroline Elissa Garay, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis professeure en art appliqué, en STD2A à Bondy, en lycée. Nous accueillons maintenant, nous faisons dans l'international avec Angélique Librecht. Bonjour Angélique. Bonjour Jean-Charles, donc je suis instite en deuxième primaire en Belgique, dans une école communale. Voilà, et ça correspond à peu près à des enfants de quel âge? Alors, donc moi c'est deuxième primaire, donc ce qui fait CE1. Voilà, CE1 en France. Martine Tassin, qui est également en Belgique. Bonjour Martine. Oui, bonjour à tous. Moi je suis psychopédagogue, professeure honoraire en formation des enseignants, surtout en Belgique, un peu à l'étranger, mais pas en France. Et présidente de l'association Cellule Épicure. Faisons preuve de créativité. Ça n'a rien à voir avec la vaccination, cette cellule Épicure. Philippe Brasseur, bonjour Philippe, pareil en Belgique. Oui, bonjour. Et sur ma carte de visite, il y a marqué cultivateur d'idées. Bon, ben, on va laisser comme ceci, comme ça nous permettra d'imaginer un petit peu. Donc ce webinaire, nous allons évidemment traiter quelques questions et puis régulièrement, nous interrogerons le chat pour avoir vos réactions. Vous pouvez réagir. Caroline, puisque tu es coordinatrice de ce dossier et que ce dossier traite de créativité, est-ce que c'est un concept qu'on peut définir? Il y a une question qui est posée dans le titre qui est « Peut-on enseigner la créativité ? » Qu'est-ce que c'est et peut-on l'enseigner ?
Donc, je vais commencer déjà par donner quelques jalons sur la créativité, sur comment on peut la définir. Donc déjà, pour commencer, on a tendance en fait à considérer qu'elle est en relation avec l'innovation et qu'elle est également aussi, elle découle de notre imagination et aussi de notre intelligence. Donc on a vraiment déjà pour la créativité, de manière globale, cette idée-là que tout le monde se fait. Mais si on va un petit peu quelques siècles en arrière, et Mohamed Dihi, qui est un auteur de notre dossier, a fait justement un retour historique. Il rappelle en fait qu'elle a eu plusieurs acceptions, en fait, hein, la créativité. Donc, dans l'Antiquité, Platon l'associe à l'inspiration divine. À la Renaissance, on s'est mis en fait à parler de génie quand on parlait de la créativité, en particulier pour Michel-Ange ou pour Léonard de Vinci. D'ailleurs, elle s'exerçait dans tous les domaines, hein, c'était aussi bien de l'ingénierie que de la science ou que de l'art. Et il y a même un moment en fait où, au XIXe siècle, l'artiste était considéré comme un névrosé. Hein, c'était de l'ordre de la folie, la créativité. Et puis, au XXe siècle, on l'a regardé d'une autre façon. On la considère actuellement plutôt comme une compétence, comme quelque chose en fait qui est entre la rationalité et la sensibilité, ce que dit Michel Tozzi. On considère aussi que c'est une nécessité vitale, comme un concept approprié à tous les domaines de la vie. Donc on a vraiment quelque chose qui s'est beaucoup plus démocratisé. Et donc on a quand même malgré tout, hein, pour la plupart des gens, on l'associe en général donc à la capacité d'imaginer, de donner forme à des idées, à des objets divers, en trouvant des solutions inédites, originales, efficaces à des problèmes. Donc là, je cite Luc Taral et Isabelle Capron-Puezo, qui ont écrit dans notre dossier. Et il faut rappeler, donc, parce que souvent on a tendance à la restreindre quand on en parle spontanément, à l'art, alors qu'on peut être créatif aussi bien en mathématiques, en musique, en lettres, en cuisine et bien sûr en pédagogie. Donc c'est vraiment une des choses qu'il faut retenir. Donc ce que l'on doit aussi entendre, parce qu'on a tendance à considérer que c'est une compétence que l'on a comme un don, en fait non, hein, c'est quelque chose qui peut se développer. Tout comme l'optimisme et la persévérance, comme le dit Philippe Poitrelot, hein, c'est-à-dire que ça nécessite d'accepter les erreurs, les échecs, en multipliant les réponses, c'est important, en sortant souvent de sa zone de confort. Donc là, ça fait partie vraiment déjà on rentre un petit peu plus hein, dans le domaine de la créativité. Donc, l'autre chose aussi qui est à retenir sur la créativité, c'est aussi un processus. C'est-à-dire, c'est un processus, ce n'est pas forcément finalement la finalité qui est toujours le plus intéressant, hein, puisque pour arriver en fait, au bout du chemin, on va passer par plusieurs étapes, on va diversifier, multiplier les propositions, et c'est important d'apprendre aussi à se tromper, à aller d'échec parfois en échec, hein, puisque, comme disent les très grands créatifs, hein, c'est 100 idées pour une de bonne. Donc voilà. C'est quelque chose qu'il faut entendre. Alors, si on doit enseigner la créativité, on a mis un point d'interrogation dans notre dossier parce qu'on s'est posé la question aussi de savoir si les auteurs allaient être, de quelle façon en fait, ils allaient se positionner. Donc, parce que souvent, en fait, on considère que c'est un peu paradoxal hein, de penser qu'on peut enseigner la créativité, puisque ça nous semble quelque chose, finalement, qui peut nous échapper des mains, hein, qui est assez fluctuant et qui est propre à chacun. On est un peu aussi dans l'ordre de la subjectivité. Mais en même temps, en fait, on se rend compte que elle n'est pas du tout réservée, même si elle est enseignée plus particulièrement dans le cadre, d'ailleurs, de cours, hein, dans les filières artistiques ou dans les filières du design, des arts appliqués. On a en fait, et on s'en rend compte dans le dossier, une très grande transversalité de cette compétence, puisqu'elle se retrouve dans quasiment toutes les filières, dans tous les domaines, à tous les niveaux aussi, hein, du plus petit au plus grand, en passant par évidemment le monde des adultes. Au niveau de l'enseignement, en fait, évidemment, on peut comprendre comment fonctionne le processus créatif, comprendre en fait qu'il est aussi associé à une façon d'être qui va permettre du coup d'amener plus particulièrement, plus facilement du coup les idées. Parce qu'en fait, elles germent dans le cerveau, ça reste quand même quelque chose de mystérieux. Il y a des connexions, des liens hein, qui sont observés, analysés hein, dans les recherches actuelles scientifiques et qui d'ailleurs sont aussi
analysé dans notre dossier par certains auteurs. Mais en fait, on peut penser aussi que finalement, si on doit enseigner la créativité, ce sera plutôt l'encouragement de certains leviers, comme des ambiances de cours stimulantes avec des propositions ouvertes qui permettent aux élèves de s'approprier autrement leurs connaissances en faisant appel en fait, à d'autres compétences. Donc, c'est plus l'état d'esprit de la créativité, finalement, qu'on pense en fait, être important à encourager. La curiosité, l'ouverture d'esprit, la capacité à expérimenter des choses nouvelles, la confiance dans son imaginaire, le plaisir de suivre ses intuitions et puis de partager ses découvertes avec le groupe. Donc, on le voit en fait, hein, quand on lit au travers du dossier, on se rend compte qu'il y a des tas de manières en fait, différentes d'essayer en fait, de retrouver cette spontanéité qui est souvent un peu perdue, hein, que les petits ont beaucoup plus facilement et que les grands parfois ont un peu oublié, où on a quand même l'école qui est prise dans un double carcan, comme le rappelle Sophie Julien-Lavier-Leroy, c'est-à-dire entre les normes des disciplines à enseigner et puis les prescriptions institutionnelles qui doivent être surmontées pour permettre aux enseignants aussi d'aller au-delà et d'aller aussi explorer des chemins différents, exactement comme ils essayent de le faire en fait, avec leurs élèves. Donc, Caroline, je termine. En fait, on s'aperçoit à travers ta réponse, qui est déjà extrêmement riche, de la richesse de ce dossier qui comprend, je crois, une bonne trentaine d'articles. Absolument, et on va rentrer plus en détail dans beaucoup de ces points. Peut-être pas la névrose des créateurs et des artistes, mais en tout cas, on va rentrer dans ces détails. D'accord. Angélique, donc toi c'est un signe aussi de l'implication des coordonnateurs, coordinatrices de nos dossiers. En plus, à chaque fois, il y a des gens qui font un travail considérable qui dure plus d'un an pour qu'un dossier paraisse 8 fois par an. Angélique, toi, tu as donc coordonné également ce dossier. Et est-ce que tu peux nous parler de la façon dont ce dossier est organisé, de la façon dont ça se présente? Oui, alors nous, on a bâti le dossier sur 3 points qui nous paraissaient des piliers pour la créativité. Le premier, c'est tout ce qui est le mode des pensées des gens. Ensuite, la nécessité qu'il y a de naviguer entre la liberté et le cadre. Et enfin, les tensions qu'on trouve au niveau de la dimension individuelle et collective. Ce qu'on a eu à cœur dans notre dossier, c'est d'insérer des articles qui proviennent de différents niveaux d'enseignement et de différentes filières pour bien montrer que ça se trouve partout et ce n'est pas réservé à une catégorie. Ce qui était important aussi pour nous, c'était de mettre l'élève au centre de la créativité, bien qu'on est consciente du rôle essentiel et indispensable des enseignants. Alors, au niveau du mode de pensée, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était de mettre l'accent sur les contextes qui peuvent mettre en avant, mener les élèves vers de la flexibilité mentale. On a, par exemple, un article d'un sketch note dans lequel on travaille la synthèse et par contre un autre enseignant va utiliser le sketch note pour le travailler en remédiation. Et on voit que les élèves peuvent être créatifs aussi par ce biais-là. Il y a aussi des analyses de pratique avec des enseignantes de primaire qui ont développé le concept de créativité en classe qui a été travaillé avec eux et, pour préparer un concours. Et notamment une phrase qui nous a beaucoup plu, d'élèves qui disaient, ben voilà, nous, on n'a pas de problème, on est créatif. Et alors, dans plusieurs articles, comme l'a dit Caroline, on retrouve la guidance qui est discrète vis-à-vis des enseignants. Le deuxième volet qui était retenu, c'est la liberté, le cadre. Et là, c'est le fait de jouer avec la liberté qui est proposée dans le cadre, mais aussi le cadre qui est nécessaire pour permettre d'offrir l'espace de liberté créative. Dans la troisième partie, on a glissé une place pour tout ce qui est l'avenir aussi. Parce que pour nous, la créativité, elle doit être travaillée pour permettre aux élèves d'avoir une habitude de réflexion et de penser à d'autres possibles que ce qu'ils ont toujours connu. Il y a des articles aussi qui parlent de pratiques d'enseignants qui ont été modifiées face au Covid et qui ont finalement profité du Covid pour faire travailler et développer la créativité des élèves. Et la leur en même temps. Et alors, pour terminer, on a pris la dimension individuelle et collective qui amène en fait le fait que j'ai besoin des autres pour pouvoir développer ma créativité. Je vais oser, je vais tenter.
Et c'est le groupe aussi qui va me permettre d'être un appui pour ajuster ce que je pense et modifier ou pas ma façon de voir les choses, ma façon d'être créative. Voilà. Je ne sais pas si je dois développer plus ou si c'est bon. Oui, écoute, on va y revenir là-dessus de toute façon. Enfin, le dossier est très, très riche, évidemment, et on aura tous ces points qui se redévelopperont après. Martine, donc, qu'est-ce que c'est que cette cellule Épicure dont tu es présidente? Alors, c'est une cellule qui regroupe toute une série d'enseignants, des enseignants du fondamental, donc des enseignants du terrain dans le fondamental, maternelle et primaire en Belgique, et des professeurs du supérieur, donc des formateurs d'enseignants. L'objectif est de promouvoir la culture à l'école, parce que par un souci d'équité d'abord, et en plus, surtout pour en fait... développer le plaisir d'apprendre chez les enfants grâce à la culture. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le vaccin. Le fait d'avoir pris Épicure, d'avoir choisi Épicure, ça n'a rien à voir non plus avec l'œnologie ou la gastronomie, parce que pour beaucoup de gens, être épicurien, c'est vraiment se laisser vivre et profiter des, surtout des plaisirs du goût. Mais en fait, malgré ça, on pourrait quand même s'inscrire en fait dans la gastronomie de la connaissance. C'est expression en fait donnée par Idriss Aberkan et que nous aimons beaucoup. Parce qu'en fait, c'est vrai que je crois qu'il faut vraiment repenser un peu la façon d'enseigner pour que ça devienne vraiment un plaisir d'apprendre pour les enfants. Voilà, alors en gros, que fait-on? Ben, on organise des séminaires, on accompagne des projets dans les écoles, on travaille en collaboration avec les opérateurs culturels, on réalise des dossiers pédagogiques, des outils pédagogiques, on essaie de construire en fait vraiment une pédagogie plus culturelle qui intègre vraiment la culture dans l'éducation pour tous. Voilà, et on fait aussi quelques publications. Voilà. Donc en fait, c'est... Clairement, la création renvoie là, et la créativité renvoie là une notion de plaisir, quoi. Alors voilà, justement, quand on m'a demandé de proposer un article sur la créativité, la première idée qui m'est venue, je veux lier aussi créativité et plaisir. Je crois que c'est un des éléments importants que je voulais faire passer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ma réalité de professeur, aussi bien en tant que professeur de professeur, j'avais vraiment énormément de plaisir de mener des projets créatifs, et au plus ils étaient risqués, au plus ils étaient ambitieux, au plus ils étaient osés, au plus on avait du plaisir après. Alors je voyais aussi chez mes étudiants la même chose, dès qu'elles avaient des idées nouvelles, dès qu'elles pouvaient proposer des choses nouvelles un petit peu originales, je voyais vraiment la fierté et le plaisir chez les étudiants. Et on le voit aussi au troisième niveau, au niveau des enfants, dès qu'on leur demande en fait de faire une création et qu'ils peuvent montrer leurs œuvres, il y a vraiment une réalisation de soi qui provoque du plaisir. Alors attention, le plaisir c'est pas vraiment l'amusement, je ne peux pas dire que tous les projets ambitieux ou fous que j'ai mené ou que nous avons mené avec les étudiants n'était que de l'amusement, parce qu'en fait ça demande quand même beaucoup de risques, beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup d'entêtement même et de persévérance, etc. Mais je crois qu'au bout il y a vraiment du plaisir. Alors là je parle du monde de l'enseignement, je ne sais pas si ça peut être généralisé à tous les créatifs ailleurs, mais de ce que j'ai vécu, je pense vraiment que ça peut amener du plaisir. Et je pense que je ne suis pas la seule à le penser, parce que dans le dossier en question, de CRAP, le mot plaisir revient très régulièrement. Voilà. Pour avoir passé une grande partie de mon adolescence et de ma jeunesse à faire des gammes, ce qui n'est vraiment pas un sujet créatif, on arrive à avoir du plaisir, y compris dans ce type d'exercice, quand enfin on joue dans la tonalité qu'on n'avait jamais imaginée. Voilà, c'est quelque chose de le plaisir dans la réussite, c'est quelque chose aussi fondamental. Philippe Brasseur, tu te présentes donc comme cultivateur d'idées, et qu'est-ce que c'est qu'un cultivateur d'idées? C'est quelqu'un qui s'intéresse à la créativité depuis 20 ans dans le cœur de mon métier, et qui est papa de 4 enfants. Et je voudrais partir de ça parce que, ayant élevé mes enfants avec ma femme, j'avais la preuve sous mon toit que tous les êtres humains naissent créatifs. Et je me rappelle de l'âge d'or
que nous avons connus comme parents à les voir évoluer entre 3 ans et 6 ans. Je crois que toute personne qui observe un enfant de cet âge-là a la preuve sous les yeux de ce don avec lequel nous naissons tous. Voilà. Et mon métier n'est donc pas d'apprendre la créativité aux deux publics auxquels je m'intéresse, qui sont le monde de l'éducation et le monde des organisations et des entreprises, mais de cultiver quelque chose qui est déjà là, de lui donner une place dans le paysage et de le valoriser, d'amener chacun à prendre conscience qu'il est jardinier de sa propre créativité. Il y a une très belle phrase de Carl Rogers, le psychologue, qui dit, dans le sens le plus profond, être créatif, c'est se réaliser en tant que personne. Donc, c'est une belle mission de vie. Alors, très concrètement, dans le monde de l'éducation, ma manière de cultiver les idées, c'est d'écrire des livres. J'en ai écrit de nombreux sur la créativité, de donner des conférences, des formations et d'essayer que cette créativité soit stimulée à la fois chez l'enseignant et chez l'élève, parce que l'enjeu est double. Et au service, pour moi, la créativité est un moyen, en fait, n'est pas un but. On reviendra tout à l'heure sur pourquoi l'enseigner, mais au service de cette souplesse mentale qu'évoquait tout à l'heure Angélique. Et pour lui trouver une place dans tous les domaines, pas comme une discipline supplémentaire, mais comme une manière d'apprendre. J'ai découvert que les compétences à la base de la créativité sont les mêmes que celles qu'on trouve à la base de l'apprentissage, ce qui rend les choses passionnantes. Mmh. Pour moi, la créativité doit être le moteur d'un apprentissage autonome et joyeux, pour reprendre mon autre compatriote. Merci tous les quatre pour cette présentation. Peut-être Yannick, sur le chat, s'il y a déjà des réactions. Oui, le chat d'abord a beaucoup répondu à la première question que tu avais posée, Jean-Charles, sur comment donner un peu de dynamisme à nos webinaires, avec bien sûr la première chose qui est presque une revendication des participants au webinaire, c'est on veut de l'interactivité, on veut participer avec différentes propositions d'outils d'ailleurs que nous pourrons essayer, puis des idées un petit peu plus divergentes du genre d'une idée qui vient aussi ou qui rejoint plusieurs articles des cahiers d'ailleurs. Et si on mettait un sketchnoteur, voire pourquoi pas un dessinateur qui accompagnerait le webinaire, voilà quelques-unes des idées qui ont été développées. Et puis, par ailleurs, le chat commence à réagir à ce qui a été présenté, à ce qui a été dit, avec quelques remarques comme ça, incidentes de nos des participants, penser à cette question de l'âge, qui est une des questions qui se recoupe sur plusieurs interventions. Comment faire pour qu'il y ait de la créativité à tout âge et comment faire pour que ça ne s'éteigne pas, en quelque sorte, avec l'âge, notamment à l'école. C'est une des questions, je crois, qui va revenir encore. Est-ce que l'école fabrique de la créativité ou est-ce qu'elle l'éteint ? Peut-être qu'on pourra intervenir là-dessus tout à l'heure. Je remets mon micro en place. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question-là ? Qui n'est pas prévu ? Je dois dire qu'on a prévu beaucoup de questions et celle-ci, on ne l'avait pas prévue. Donc, soyons créatifs. Est-ce que quelqu'un Je vais intervenir brièvement. On l'a cité dans la préparation du séminaire, du webinaire, cette fameuse vidéo TED de Ken Robinson qui dit pourquoi ou comment l'école tue la créativité. Je crois qu'il faut être prudent avec ce genre de discours. Je crois qu'une certaine forme d'éducation tend à étouffer la créativité naturelle, mais c'est un discours qui peut être très décourageant et la réalité est beaucoup plus subtile que ça. Et l'intérêt, c'est de redonner conscience et pouvoir aux enseignants sur leur capacité à encourager cette créativité naturelle et surtout, au-delà de la posture, vraiment donner des clés très, très concrètes. Et je crois que le dossier que vous avez réalisé y contribue. Oui, merci Philippe. J'étais en train de couper une vidéo. Merci de ne pas mettre votre vidéo. Est-ce qu'il y a un frein? Alors, Philippe, est-ce qu'il y a un frein? Quels seraient les freins au développement d'une créativité? En fait, moi, j'en vois deux essentiels. C'est plutôt des familles de freins. Moi, il y a des freins cognitifs et affectifs. Les freins cognitifs, c'est quand la personne ne comprend pas le sens, la raison pour laquelle on lui demande d'être créatif. Quand elle est perdue parce qu'il n'y a pas de limite, on lui dit « sois créatif,
C'est comme dans une entreprise ou à l'école, hein, on dit vas-y, fais ce que tu veux, allez, maintenant, vous pouvez vraiment vous lâcher. Là. Et ça peut être très, très angoissant et bloquant parce qu'il n'y a pas de cadre. Et en fait, j'ai découvert parmi d'autres choses que le cadre, il a une fonction majeure qui est de donner de la sécurité, une sécurité qui est essentielle, qui est préalable à la sécurité. Et les freins affectifs sont très nombreux. C'est le manque de confiance en soi, d'abord. Toutes les croyances qu'on trimballe, héritées de l'éducation généralement. Je ne sais pas dessiner, je ne suis pas capable, je n'ai pas de talent, etc. Je n'ai pas d'inspiration, je ne suis pas capable d'une production personnelle, je ne sais faire que copier. Et puis toutes les peurs, hein, la peur de l'échec, qui est un des fruits pourris d'une éducation traditionnelle. Un enfant de 2-3 ans n'a pas peur de l'échec, hein, il apprend en tombant, en se relevant, etc. La peur du jugement, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je sors de la norme, si je sors de la pensée majoritaire, la peur de l'inconnu, de la nouveauté. Qui est un peu contraire au pré-câblage naturel de notre cerveau, hein, ceci dit, la peur de l'incertitude. Voilà. Et je crois que stimuler la créativité, c'est d'abord lever les freins, avec beaucoup, beaucoup de douceur et de bienveillance, c'est ce manque de sens et ce manque de confiance. Et puis, bizarrement et paradoxalement, j'aimerais avec ça. Parfois, un frein à la créativité, c'est le savoir lui-même. Je donne un exercice très simple en séminaire. Je demande de diviser un carré en 4 parties égales en forme et en surface. Alors, je dis, qu'est-ce que vous connaissez comme réponse? Les gens me disent, les médianes, les diagonales, les tranches, horizontales, verticales, et puis blocs. Et je dis, merci, ceci constitue le stock fini des réponses que vous avez apprises à l'école. À l'école, vous auriez 10 sur 10, mais à l'école de la créativité, vous auriez 3 sur l'infini. Parce qu'il existe une infinité de réponses. C'est la croyance qu'il n'existe qu'un stock limité de réponses à une question qui nous empêche d'envisager et de construire d'autres réponses. Voilà. Oui. Ça rend les choses très, très, très passionnantes. Paradoxales, oui, mais passionnantes. Tout à fait. Les freins, on en a beaucoup parlé, et puis c'est visiblement le dossier, non seulement les freins à la créativité, mais aussi les limites qui permettent la construction d'une créativité, curieusement. Et du coup, en t'entendant, j'avais envie de vous faire réagir tous les quatre à un dessin, car dans nos dossiers, nous avons des dessinateurs qui... C'est le lot des excellents dessinateurs quand en un dessin, ils synthétisent une somme de problèmes extraordinaires. Et ce dossier, c'est Fabrice R. qui a dessiné. Je vais partager mon écran et j'aimerais bien vous entendre sur ce dessin, tous les quatre, et les participants peuvent, eux, réagir sur le chat. Voici, c'est un dessin qui est page 33, je crois, dans le dossier, donc de Fabrice R. Vous allez expérimenter un moment de création en toute liberté. Comment, mais pourquoi, madame, ça va être noté, on ne l'a pas vu en cours, on aura la récré quand même ou pas. Qui veut réagir? Caroline. Oui, ben, en fait, moi, ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est des situations parfois vécues quand justement l'activité est complètement inhabituelle et que voilà, il faut sortir de sa zone de confort et qu'ils ont beaucoup de mal du coup à. En fait, il faut tout de suite répondre à toutes ces questions, en particulier la note, hein, qui est souvent un des freins les plus puissants. Hein, c'est-à-dire que pour certains, ça va les galvaniser et pour d'autres, ça va les éteindre. Et je pense qu'en matière de créativité, la note n'est pas du tout nécessaire. On est dans la recherche, la liberté. Si c'est la créativité pure, je pense que c'est plutôt pour encourager, c'est plutôt pour donner envie et laisser le plaisir. Et là, la note, je crois qu'elle n'a pas du tout de rôle à jouer. Mmh. Et c'est vrai que c'est drôle comme il arrive à tout montrer. Oui. Martine ? Moi, je pense que ça explique en fait très bien par le dessin et par l'humour ce que Philippe Brasseur vient d'expliquer, en fait, les freins des enfants pour la créativité, la peur de l'inconnu, la peur de la nouveauté, de conditions différentes que celles que l'on connaît d'habitude. Ça, c'est quand même un petit peu caricatural, c'est un petit peu oui, l'image de l'école assez classique et pas la plus belle image que... Oui, c'est le lot des excellents dessinateurs que dans la caricature, d'être capable de pointer des choses absolument extraordinaires. Angélique, tu veux réagir là-dessus? Et moi, c'était par rapport à la consigne. C'est cette consigne qui est justement trop, trop ouverte et puis qui met l'incertitude en avant. Et on ne peut pas être créatif s'il n'y a rien du tout autour et sinon on ne sait pas du tout dans quelle direction aller.
On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais fait preuve de créativité de se lancer s'il n'y a pas... Enfin, il faut aller de manière progressive. Oui. Pardon, Martine. Non, vas-y, termine avec Angélique. Oui, est-ce que tu penses que cette, une absence éventuelle de créativité est un signe d'un empêchement de penser, alors? Alors, ben moi, je n'ai aucune certitude. Oui. Mais je peux dire que je pense que les personnes qui disent non créatives, elles sont souvent des personnes qui s'auto-censurent et qui se créent des blocages. Comme dit Philippe, bah, la peur de ce que vont dire les autres. Est-ce que c'est ça qu'on attend de moi? Si je pense différemment, est-ce que c'est grave? Et là, j'ai envie de reprendre Giovanni Rodari qui dit « Chacun de nous naît avec un potentiel d'imagination qu'ensuite, la vie, les circonstances, l'éducation, les exigences de la société étouffent et paralysent. » Moi, je pense que le premier pas, c'est peut-être de commencer, d'essayer, d'oser. Et si on se plante, ben, tant pis, au moins on a essayé. L'erreur, ça fait partie intégrante de l'apprentissage. Et si je ne commets pas d'erreur, bah c'est qu'au final, je n'ai pas appris puisque je sais tout faire. Ça rejoint ce que disait Philippe pour moi. Mm-hmm. Qui est-ce qui n'a pas réagi? Philippe, je crois, sur ce dessin. Ah, sur le dessin, ben oui, en fait, trop de liberté tue la liberté pour un public qui est habitué malheureusement à beaucoup de cadres. Et je crois qu'on ne va pas donner la même dose de cadre selon l'âge et le profil du public. Je m'explique. Je crois que des enfants d'âge maternel auront besoin, pour épanouir leur liberté, épanouir leur créativité, davantage de liberté, d'autorisation et de possibilité de choix d'expérimentation, que des enfants plus âgés qui auront besoin d'un cadre plus sécurisant, à mon avis. Expérience. Et par ailleurs, des élèves jeunes adultes, s'ils sont particulièrement doués, je pense dans une école d'art, certains élèves qui ont un talent et une envie naturelle d'aller dans une direction, il serait dommage de ne pas les laisser aller leur chemin et de les enfermer dans la même consigne que tout le monde, alors que visiblement, ils ont clairement une quête personnelle qu'ils ont envie de suivre et ils ne demandent à l'école qu'un cadre, une autorisation et l'équipement de matériel pour pouvoir suivre leur quête. Oui. Moi, je suis toujours très surpris par ce mot cadre, en fait, qui est le mot que j'emploie aussi, mais qui me gêne parce qu'un cadre si rigide, ça a des bords, et puis on se heurte au bord du cadre. Et en fait, j'ai tendance à essayer d'utiliser le mot matrice, dans le sens une matrice est un contenant avec une paroi souple qui permet des échanges avec l'extérieur et qui permet de réguler des échanges avec l'extérieur. Ça serait peut-être un axe sur lequel il faudrait aller. Martine, en fait, la créativité, c'est aussi une attitude de vie. Alors oui, bon, moi je fais quand même, peut-être à tort, je ne sais pas, je fais quand même une différence entre la création et la créativité. La création, c'est vraiment le fait c'est un acte productif, efficace, original, etc. La créativité, je le prends plutôt comme une attitude de vie, une façon d'être face au monde qui fait qu'on sera, qui est plus propice à des créations. Bon, on a déjà un peu signalé préalablement, et ça revient à plusieurs endroits dans le dossier, il y a une question de tempérament et de caractère. Il faut avoir confiance en soi, il faut être patient, avoir de la persévérance, de l'audace, de l'autonomie, de l'ouverture au dialogue, etc. Tous des éléments qui font vraiment partie de la personnalité, parce qu'en fait, quand on est créatif, c'est vraiment toute la personnalité qui intervient et qui s'implique dans l'acte créatif. Alors, il y a aussi tout un aspect plus cognitif de recherche. Quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui est toujours en recherche. Alors, j'ai repris aussi une expression dans le dossier de Luc Terral et d'Isabelle Capron, où il parle de bouillonnement cognitif et émotionnel. Je trouve que ça résume très, très bien cette recherche permanente qui bouillonne, en fait, chez les personnes créatives. Et alors, il y a un aspect qui est assez peu développé, finalement, dans le dossier, mais qui me semble important, c'est tout un aspect relationnel. Je crois que quand on... C'est pas moi qui fais du bruit. Oui, pouvez-vous éteindre vos micros, s'il vous plaît? Je crois donc qu'il y a aussi tout un aspect relationnel. En fait, quand on crée quelque chose, on le fait pour souvent dans un but, pour quelqu'un, pour faire plaisir, pour faire avancer les choses, pour donner un plus.
Et je pense qu'il y a tout un côté relationnel qui est fondamental dans la créativité. Je le dis aussi de nouveau à partir de mon expérience de professeur. Quand j'étais créative, c'est surtout parce que c'était au moment où j'arrivais vraiment à être empathique avec les étudiants, à tel point que j'arrivais en fait à créer quelque chose pour eux. Mais s'il n'y avait pas les étudiants, je ne l'aurais pas fait. Donc, je pense qu'il y a un côté vraiment relationnel qui est fondamental dans la créativité. Donc, c'est pour ça, tout ça fait que je le considère plutôt comme une attitude de vie plutôt qu'un simplement un acte ponctuel à un moment limité. Oui, en fait, tout ça, Angélique, peut-être, est-ce qu'on peut parler du climat de confiance? Alors, tu fais un très bel article en plus qui m'a beaucoup touché parce que tu as utilisé une de mes photos et j'ai vu à distance, à quelques centaines de kilomètres, avec quelques échanges que j'avais avec ta classe, j'ai vu combien une simple petite idée avait permis une créativité et puis surtout une joie dans les échanges qui était absolument réjouissant à voir. Oui, en fait, je crois que ça dépend un peu de la façon de voir les choses, mais moi, je travaille avec une classe coopérative. Et je crois que ça influence beaucoup la façon de réagir des élèves. Et travailler dans ce type de classe, c'est créer une ambiance qui est un peu fraternelle. Et chacun se sent autonome dans sa façon de penser, mais aussi dans sa façon d'agir. Ils savent qu'ils ont un mot à dire. Ils savent qu'ils vont être entendus, pas toujours écoutés, mais au moins entendus. Et ils vont savoir qu'il y a des moments où ils vont avoir leurs arguments qui vont être écoutés et acceptés, et qu'ils ont des choses à suggérer, que ce soit dans l'organisation de la classe ou que ce soit dans des propositions de travaux. Et je pense qu'il faut une part de respect. Et il y a le partage des idées, la réaction critique qui doit être mise en place aussi en classe. Et ce n'est pas parce que je ne pense pas comme toi que ton idée, elle n'est pas bonne ou que tu es moins bien. C'est juste que je pense différemment et je vais accepter d'être parfois quelque peu plagiée parce que les autres ont trouvé que j'ai eu vraiment une super idée et vont se la réapproprier. Et au contraire, c'est un honneur. Et c'est parce que je pense tout seul et que je m'appuie sur les autres que je vais pouvoir avoir un retour et que je vais pouvoir progresser. Je pense qu'il y a une logique qui doit se faire dans ce niveau-là, avec une acceptation de l'erreur qui est primordiale et les règles de la classe qui doivent être connues. Et explicite pour vraiment pouvoir avancer et savoir dans quelle direction on va. Parce que je pense que parfois, on ne dit pas assez. J'ai vu dans mes classes, hein, puisque des élèves dans un empêchement de pensée totale et dans un empêchement de, je vais simplifier en disant créativité, faire un pas vers cette capacité, vers cette compétence, en commençant par répéter ce que disaient les autres. C'est-à-dire, je prends de l'assurance en m'appuyant sur un autre moi-même, différent, mais auquel sur lequel je peux m'appuyer, pour ensuite accepter de faire le pas de côté qui me permettra de prendre le risque de l'apprentissage et de la créativité. Philippe, et ça, c'est une question qui peut circuler entre vous, hein, parce que, encore une fois, ces dossiers sont faits par des personnes... pour beaucoup qui sont dans le métier et qui travaillent les compétences, même si nous essayons au cahier d'être une interface entre la recherche et la pratique. Philippe, est-ce que ça s'enseigne, la créativité? Est-ce que ça s'enseigne? Oui. Je ne ferai pas pourquoi faudrait-il l'enseigner alors? Est-ce que ça s'enseigne et pourquoi faudrait-il l'enseigner? Alors, ça s'enseigne, oui. Je ne ferai pas ce métier depuis 20 ans si je n'étais pas convaincu, mais surtout pourquoi? Pourquoi le faire? Quel est le sens, au fond? J'ai plusieurs réponses à cette question. Je vais être court. D'abord, on a estimé qu'un jeune qui sort des études supérieures aujourd'hui exercera en moyenne 13 métiers différents au cours de sa vie. Et que 65% de ces métiers, c'est une projection, n'existent pas encore. Voilà déjà une première raison pour laquelle il faut préparer nos enfants à un avenir qui n'est pas encore écrit, ni pour eux, ni pour le monde. Deuxième raison, c'est qu'il y a des défis mondiaux auxquels nous faisons face. Ce n'est pas pour rien que le 21 avril, Journée mondiale de la créativité et de l'innovation, a été placée sous l'égide de l'ONU et particulièrement des 17 objectifs de développement durable. C'est-à-dire que l'ONU reconnaît que la créativité n'est pas un gadget, mais est la condition essentielle que l'être humain devra solliciter
pour embrasser les défis auxquels notre humanité fait face. Ensuite, il y a de la concurrence qui arrive dans le champ humain. Elle s'appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est faire beaucoup de choses, même en matière de créativité. Il y a des gens qui sont capables maintenant de programmer des machines pour vous écrire des scénarios de séries qui vous rendront complètement addicts, pour faire des musiques qui vont vous amener très précisément d'un sentiment A à un B à un C, et créer chez vous tout un maelstrom émotionnel. On est capable de créer des peintures dont on pourrait jurer que c'est Rembrandt qui les a produites. Ce sont des intelligences artificielles maintenant qui créent de nouveaux parfums. Voilà. Donc, la question maintenant, c'est OK, créatif, en 2021, pourquoi faire ? Au service de quoi ? Au service de quel sens, de quelle valeur ? Je cite parfois de manière très provocante l'exemple de Ben Laden, mais le coup des avions dans les tours, c'est hyper créatif. Hein. Au service de quoi mettons-nous ce don, ce cadeau énorme avec lequel nous, êtres humains, avons été mis sur cette terre magnifique ? Et enfin, il y a quelque chose de très paradoxal hein, dans ta question. Enseigner la créativité, c'est embêtant parce que quelque part, ça consiste, le boulot du prof, à transmettre, en tout cas traditionnellement, ou faire naître, faire émerger des savoirs. Et la créativité, c'est justement remettre en question les savoirs qu'on a appris pour faire émerger d'autres savoirs. C'est donc un pouvoir révolutionnaire et tout à fait paradoxal, celui des créatifs. Oui, l'un des problèmes de ces webinaires est le temps qui passe à une vitesse extraordinaire. Et il faudrait que, Yannick, peut-être, est-ce qu'il y a des réactions sur le chat ? Le chat est très actif, très réactif, très créatif. Donc, comme tu le disais, nous allons être très frustrés de ne pas pouvoir prolonger la discussion dans toutes les dimensions. Alors, il y a d'abord eu quelques réactions qui revenaient sur les freins. Et un peu classiquement, mais de façon pertinente, deux freins sont évoqués dont nous n'avons pas parlé. Le premier, ça serait le frein social, en quelque sorte. Y aurait-il des milieux sociaux plus porteurs de créativité, des élèves de ce fait plus enclins à la créativité de par leur environnement social et culturel et d'autres moins. Et ça renvoie aussi à des questions importantes qui nous intéressent beaucoup, nous, au cahier, autour de ces obstacles à l'égalité sociale à l'école. Est-ce que favoriser la créativité, ça ne serait pas favoriser certains groupes sociaux à l'école ? Ou au contraire, est-ce que ça serait justement permettre à ceux qui n'ont peu l'occasion de l'exercer dans leur milieu familial ou social, de l'exercer au sein de l'école ou de s'y entraîner. Et puis le deuxième frein évoqué, c'est celui de l'institution ou des institutions, les programmes, le contrôle de l'activité des enseignants et des élèves par l'institution, est-ce que ça ne serait pas des freins, y compris peut-être même des politiques institutionnelles, des politiques scolaires qui ne seraient pas favorables à l'institution? Et ça nous renvoie aussi à un thème que les cahiers pédagogiques ont traité il n'y a pas si longtemps, dans le dossier de juin 2020, où on posait la question, alors, le métier d'enseignant, est-ce un métier d'exécutant ou un métier de concepteur? Et la créativité n'était pas si loin dans le questionnement de ce dossier-là. Alors, deuxième série de thématiques, de questions. Je vais partir d'une question très, très directe qui était posée par un participant. Comment un enseignant manquant lui-même de créativité peut-il l'enseigner ? Et ça me renvoyait à cette question, enfin, et ça a renvoyé en tout cas, ou ça a fait réagir autour du terme d'enseigner. Peut-on enseigner ? Alors, le chat hésite ou propose des alternatives, cultiver, développer, laissant aussi… Posant cette question de est-ce que la créativité, c'est quelque chose qui est déjà là chez l'enfant, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui se développe
par la culture, et évidemment la réponse étant, comme toujours à l'école, un peu des deux, et ça n'existe, ça ne se développe que si c'est sollicité. Mais voilà, ça c'est une autre thématique aussi qui a été beaucoup développée dans le chat. Et puis, ça renvoie enfin à cette troisième thématique qui revient à plusieurs reprises dans le chat, autour des enseignants. Est-ce que la bonne volonté des enseignants suffirait-elle? Enfin, les intervenants, enfin, l'intervenant qui a posé la question y a plutôt répondu, ça ne suffit pas. Alors, peut-on former les enseignants à la créativité? Et l'une des premières choses et des premières pistes qui est évoquée également de réponse à cette question par les participants au chat tourne autour de l'autre, du quatrième thème qui est celui des contraintes créatives qui sont largement développées, je crois, dans le dossier des cahiers, puisque toute une partie est centrée sur quelles contraintes pour la créativité et à partir de quel moment et jusqu'à quel point les contraintes sont-elles nécessaires ou éventuellement sont-elles des obstacles. Voilà où en est le chat à l'heure où je vous parle. Merci Yannick. Alors maintenant, je suis désolé, je surveille l'heure et c'est très frustrant, mais on va essayer de faire des réponses courtes. Je reviens très rapidement sur la question de la contrainte et de la créativité. Quand les musiciens au début du XXe siècle ont décidé à Vienne d'abandonner l'écriture, on va dire l'écriture classique, quoi, pour faire très simple, Mozart, et aller vers l'expressionnisme et puis ensuite le dodécaphonisme. Un des très très grands musiciens absolument bouleversant, Alban Berg, a écrit dans un texte la liberté. Puis il a ajouté deux points, la peur. C'est-à-dire que c'est pas une chose très... Cette liberté sans contrainte n'est pas... C'est finalement peut-être mettre un pied dans le noir, un pied dans l'obscurité. Mais... ce webinaire est beaucoup plus créatif que vous ne pouvez l'imaginer, puisque le plan que nous avions prévu, évidemment, n'a pas été suivi. J'ai des beaux schémas à vous montrer. Et en fait, il y en a un qui correspond exactement, Yannick, à ce que tu viens de poser comme question, Martine, sur les démarches qui permettent d'aller vers « je ne suis pas créatif, comment aider mes élèves à le devenir ?» En essayant d'aller vite, je suis désolé, mais oui, les gens comprendront bien que finalement, c'est le dossier qui permettra de répondre. Bien sûr, il faut aller vite. Mais si tu peux peut-être me mettre déjà le schéma. Donc, en fait, la personne qui se dit « je ne suis pas créative, comment vais-je faire pour aider les enfants à l'être ?» Il faut d'abord qu'elle se convainque qu'elle peut le devenir aussi, que ce n'est pas définitif et qu'il faut d'abord reprendre confiance elle-même en sa propre créativité. Alors, ici, vous voyez dans ce schéma-là, en fait, moi, je pense que comment aider les enfants à être créatifs, ce n'est pas en enseignant, mais c'est en mettant en place toute une série de démarches qui sont propices, en fait, au développement de la créativité. Alors, dans l'école traditionnelle caricaturée, en fait, il n'y a même pas de questionnement, on donne déjà des réponses aux enfants qui ne se posent pas de questions. Alors après on a un nouveau, vous voyez les deux flèches roses, en fait on évolue et puis on laisse quand même poser des questions, puis alors on observe et puis on fait une recherche. Ça, c'est la démarche plutôt scientifique qui est utilisée dans la pédagogie plus traditionnelle. Alors la pédagogie actuelle, à mon avis, qu'on veut privilégier et qui favorisera la créativité, c'est de développer d'abord de façon systématique l'observation, mais de manière multisensorielle avec les différents sens, de faire de l'appropriation. L'appropriation, c'est un terme dont on parle très peu en pédagogie, mais qui me semble fondamental, notamment pour la créativité. L'enfant ne sera créatif que s'il se sera approprié quelque part la thématique ou le sujet pour lequel il voudra créer après. S'il n'y a pas eu d'appropriation, ce sera très difficile pour lui de créer quelque chose. Et puis alors après, ce qu'il faut aussi développer, à mon avis, c'est la démarche de reliance pour pouvoir arriver à la créativité. Et en fait, dans mon schéma, simplement, moi, je considère, mais c'est ma façon de voir les choses, la créativité comme un aboutissement d'un apprentissage intelligent sur quel que soit n'importe quel sujet. L'enfant ne pourra être créatif que s'il a fait des démarches de ce type-là, spécialement celles qui sont marquées avec les flèches vertes. J'ai fait le plus vite que je pouvais. Merci Martine. Oui, mais je pense qu'on va... Je vous propose de vous montrer ces images que vous vouliez que je projette. Philippe, par exemple, il y avait celle-ci. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus? C'est un extrait de... c'est dans le dossier. Hein. Cette image est travaillée dans le dossier.
En fait, cette image a été prise lors d'une formation que je donnais aux enseignants. La démarche vient d'un constat, c'est que beaucoup d'enseignants en primaire ne font plus de cours d'art plastique pour plusieurs raisons. Un, ils ne se sentent pas compétents. Ils disent « mais moi, je ne sais pas peindre, comment pourrais-je apprendre à mes élèves quelque chose pour lequel je ne suis pas compétent ?» Deuxièmement, ça prend du temps de faire de l'art plastique. Ça salit, les parents se plaignent parce que les enfants ont fait des taches sur le vêtement, etc. Et puis, il faut mettre des nappes en plastique, etc. Donc, je ne vais pas faire d'art plastique. Et moi, je les ramène au programme. Je dis, dans le programme, en art plastique, il n'y a pas marqué « vous devez faire de la peinture ». Il y a marqué « vous devez rendre les élèves compétents dans la capacité d'observer, d'exprimer et de réagir ». En tout cas, en Belgique, c'est comme ça. On peut le faire sans peinture, sans papier. Hein. Et donc, remets, si tu veux bien, l'image. Bref, je te promets. Oui, mais il s'agit de recréer, vous avez compris, une œuvre d'art existante en 15 minutes avec les moyens du bord. Voilà. Et on trouve dans cette consigne-là, en fait, un équilibre dynamique, je trouve, entre la contrainte et la liberté. Une forte contrainte de temps, de matériel. En plus, ils ne choisissent pas l'image, ils la reçoivent au hasard. Ils ne choisissent pas le groupe, ils se font attribuer des partenaires au hasard. Ils sont en 3 à 4 par groupe. Et on voit que ça crée un dynamisme, une émulation incroyable. Ce qui me fait dire que oui, véritablement, la contrainte peut être féconde en termes d'énergie, de résultats, de confiance en soi et que tout est une question de dosage, soit de la contrainte forte en termes de résultats, et si le résultat il est annoncé, il faut ressembler le plus possible à l'image en question avec une grande liberté sur les moyens, soit une contrainte forte sur les moyens et une grande ouverture quant aux résultats. Merci Philippe. Il y a cette image là, c'est Martine. Alors, en fait, en parlant de la créativité, j'avais dit que toute la difficulté pour le professeur, c'était à la fois de rester dans le cadre et de ne pas trop sortir du cadre, et qu'il ne fallait pas dépasser les bornes. Et alors, Jean-Charles m'a dit, mais c'est dépasser ou déplacer les bornes? Alors, j'ai simplement trouvé cette image-ci, enfin, j'ai fait cette image-ci. La première, c'est nous qui l'avons faite, on déplace les bornes, c'est-à-dire qu'on sort du cadre. On peut sortir du cadre comme enseignant, il faut sortir même un petit peu du cadre pour être créatif et pouvoir s'adapter vraiment au... mais on ne peut pas dépasser les bornes. C'est tout l'équilibre nécessaire de chaque enseignant, que chaque enseignant doit essayer de trouver dans son quotidien. Oui, moi j'aime beaucoup cette laitière qui effectivement déplace les bornes mais reste dans le cadre, quoi. Et donc on est là sur quelque chose de vraiment... enfin, fondamental, je crois. Est-ce que j'ai peut-être, tu voudrais dire quelque chose sur cette photo que tu, Angélique, que tu as utilisée, donc avec tes petits. Oui, ben en fait, pour la photo, c'est moi j'ai été très surprise par les différentes créations qui ont été faites par les élèves et vraiment l'implication qui a été mise. D'ailleurs, ils continuent encore l'activité maintenant, même sans moi. Ils se plagient les uns les autres, ils proposent de nouvelles idées, ils partent dans de nouveaux questionnements. Et je pense qu'on aura fini le 30 juin et pas avant. Et encore, c'est même pas sûr. Mais voilà, donc c'est à partir d'une photo, comment différentes personnes peuvent penser à différentes choses. Et ils partent sur des réalisations mathématiques, ils partent sur des réalisations... artistique. Il y en a qui ont fait des sketchs, il y en a qui ont fait des petits textes, des histoires. Ils vont vraiment dans tous les sens. Et ce qui était important aussi pour eux et pour moi, c'est vraiment la relation avec les personnes. On a eu besoin de contacter le photographe, on a eu besoin de contacter la personne qui était prise en photo. Et quelque part, pour moi, créer, c'est aussi une aventure humaine. Parce que tout le monde s'engage et tout le monde s'implique. Caroline, merci. Oui, c'est une... Pardon, j'étais troublée par quelque chose d'autre. C'est une photo en plus que j'ai prise avec un ami trompettiste et au fur et à mesure que je le prenais en photo, un cheval s'est approché, mais très près, et n'avait pas peur du son de la trompette. C'est un excellent trompettiste et c'était un beau moment. Et tu as vu cette photo, tu t'en es saisie. Donc, en fait, tu as fait œuvre créative à vouloir l'utiliser avec tes élèves qui ont été très surpris. Je me souviens entre autres, qu'est-ce que c'est que cette chose avec des dents sur la gauche qu'il ne pouvait pas comprendre, puis c'est une mangeoire, on voit à peine le foin qui est dedans, et donc c'était très, très agréable et très beau
de voir ce que tes élèves ont fait là-dessus. Caroline, sur la méthode pour engager des enfants, des apprenants même, dans une démarche créative, finalement, il y a peut-être une injonction par moment de devoir être créatif, une créativité sur commande, et aussi parce que finalement, un artiste va quelquefois répondre à une commande. Mozart, il était payé. Bach a toujours été payé et Bach a certainement peu composé sans être d'abord payé. Et c'est vraiment une idée romantique du 19e siècle que de penser que les créatifs, bon, pour les musiciens pour moi, vivent d'amour et d'eau fraîche. Est-ce qu'il y a une démarche, une méthode pour engager donc des apprenants dans cette démarche créative, Caroline, oui. En quelques minutes encore. J'essaie aussi d'être brève, mais c'est vrai que je suis professeure en art appliqué, donc il y a une partie du programme qui est dédiée aux épreuves du bac. Donc en fait, là, voilà, la demande, elle est bien là. Hein, les besoins, c'est de réussir à être dans les temps, puisqu'ils ont 4 heures pour répondre à un sujet imposé sans aucun document. Et pour lequel, en fait, ils vont devoir développer un maximum d'idées. Donc, c'est vrai qu'il y a des contraintes fortes, hein, puisqu'ils sont uniquement donc, avec leur culture, hein, leurs idées, leur imaginaire. Et donc, on a d'un côté des exercices que je pense importants qui sont de l'ordre de la créativité pure, où on est justement, en fait, avec les moyens du bord, avec des mises en place très rapides, hein, pour arriver à développer une vraie souplesse d'esprit, une vraie capacité finalement à s'amuser, hein, dans des recherches multiples. Mais de l'autre côté, quand c'est plus du domaine des arts appliqués, à ce moment-là, il faut vraiment mettre en place une démarche de recherche avec une identification des besoins, une mise en place beaucoup plus précise finalement des attendus de l'usager et une mise en place aussi des principes qui vont pouvoir expérimenter dans les recherches en arts appliqués. Donc on est plutôt là dans un domaine qui nous amène d'ailleurs, qui a été aussi présenté dans l'article qui est sur le web en fait, hein, de notre donc je me rappelle plus en fait les deux personnes qui parlent justement du design, hein, c'est vraiment la pensée design, et la pensée design, c'est vrai qu'elle est quand même sous contrainte, mais justement il faut penser hors du cadre, out of the box, hein, comme disaient les Anglais. Et c'est vrai que parfois, justement, ça donne des choses extrêmement intéressantes parce que, justement, les contraintes sont parfois maximum, mais il va y avoir chez les élèves une capacité vraiment à entrer dans le sujet par l'empathie, en essayant vraiment de se mettre dans la tête des gens pour lesquels ils vont réfléchir à des situations. Donc, c'est toujours des solutions, des situations problèmes. Et on encourage, et c'est attendu, en fait, une multiplicité d'axes et de réponses. Donc, c'est vrai que c'est toute une espèce de mise en place, finalement, peut-être un peu contraignante, parce qu'on considère en fait que c'est important ça s'appelle la démarche créative, hein, conception, création en métier d'art et du design. Mais en même temps, je pense qu'il faut vraiment l'accompagner aussi d'exercices où chacun trouve sa façon de faire, les brainstorming, enfin, toutes les façons, hein, de faire émerger des idées. Merci Caroline. Il y a une observation qui a été posée lors de l'inscription qui était de dire, une personne disait, il est fondamental d'introduire la créativité dans les formations d'enseignants notamment, et pas seulement de la créativité artistique. Yannick, puisque toi tu es formateur en INSPE, est-ce qu'il faut faire preuve de créativité dans la formation des enseignants et comment est-ce que ça s'enseigne? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et la question est faut-il ? Ma réponse est oui, mais ce n'est pas forcément une réponse totalement partagée. D'ailleurs, plusieurs articles du dossier l'évoquent. Le premier article qui est signé Philippe Poitrelot, le portrait réalisé par Monique Royer de Christian Wattez, qui nous situe de l'autre côté à nouveau de la frontière entre la France et la Belgique. Et au moins les deux s'accordent sur un premier constat, formation, initiale notamment, la créativité, c'est pas évident. Ça entre d'abord en tension avec la conformité. Et Christian Wattez insiste davantage du côté des inquiétudes des enseignants en formation, ceux qui viennent se former, apprendre le métier, qui sont inquiets, qui ont besoin d'être rassurés et d'être plutôt, donc, ils sont plutôt dans l'attente d'une mise en conformité. Ils craignent aussi pour leur titularisation, pour, et donc de leur côté, oui,
il y a des réticences à la créativité. Ne me laissez pas, ne me dites pas que je suis libre alors que je vais être évalué à partir de normes qui sont très claires de l'institution. Et puis Philippe Poitrelot insiste, lui, de son côté, sur l'institution, qui, en France au moins, ne lui apparaît pas toujours comme étant vecteur de... proposant la créativité comme un axe de formation. D'ailleurs, si on lit les textes qui encadrent aujourd'hui la formation initiale, que ce soit former l'enseignant du 21e siècle, le texte de cadrage issu du ministère, ou le référentiel professionnel des enseignants de 2019 en France, le mot créativité n'y apparaît pas. Le mot innovation y apparaît, mais avec une incitation qui est faite aux enseignants d'utiliser des innovations pédagogiques visant à l'amélioration des pratiques. Alors, on ne peut pas s'opposer à un tel projet, bien sûr, mais ici, c'est la norme, c'est-à-dire la bonne pratique qui est visée, pas l'innovation, pas la créativité. Il s'agit de faire de chercher ce que serait la bonne solution. Et on est là dans une pédagogie, disons, ou une andragogie de la bonne pratique, du bon résultat, qui n'a pas grand-chose à voir avec la créativité elle-même. Si on veut chercher de la créativité en formation, faut descendre d'un cran, faut quitter les injonctions, ou plutôt la prescription, pour aller voir ce qui se passe dans la formation elle-même, ce que font les formateurs, ce que font les enseignants qui se forment, et là, on la trouve. Et on la trouve, par exemple, dans le dossier, dans un très bel article d'une de nos contributrices, Christine Faller, qui à Nice, il faut quand même qu'on quitte un peu la Belgique de temps en temps pour aller vers le soleil. Donc, Christine Faller, qui est formatrice à Nice, enfin dans l'Académie de Nice, à la Seyne-sur-Mer, si je me souviens bien, et qui parle d'un ricochet en offrant aux enseignants en formation un lieu de créativité dans leur propre pratique d'enseignants en formation. Elle leur propose aussi que cette créativité à laquelle elle les autorise, ils autorisent à leur tour leurs élèves. C'est ça, cette belle idée du ricochet de formation qu'on retrouve dans beaucoup de pratiques de formateurs. Dès qu'on descend, dès qu'on quitte un petit peu le niveau des superstructures et des programmes de formation, qui, en France en tout cas, je le répète, sont plutôt silencieux sur cette dimension de la formation à la créativité. Mais merci Yannick. D'abord de te reposer une question sur qu'est-ce qui pourrait rendre ces webinaires des cahiers créatifs, je voulais simplement signaler qu'il était prévu que Mohamed Dihi participe à ce webinaire et qu'il est malade. C'est quelque chose qui nous embête beaucoup de ne pas le savoir ici, et surtout qu'on aimerait bien qu'il aille bien, et nous le saluons et espérons qu'il se remette le plus vite possible. Yannick, donc, nos webinaires pourraient être plus créatifs comment ? Est-ce qu'il y a eu d'autres interventions ? Non. Les gens nous ont-ils vus, en fait ? Le chat avait réagi au début à la question, et puis ensuite, les participants ont réagi à ce qui se disait dans le chat et ont continué les discussions sur le contenu de la créativité, et ils ont laissé tomber cette première idée-là. Ça va peut-être revenir là pendant la phase de conclusion. Oui, voilà. Soyons tous les quatre invités. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez ajouter ? Alors vraiment pas long, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Martine ? Simplement de nouveau une information belge. il existe, enfin pour le moment en Belgique, il y a une grande réforme de l'enseignement obligatoire qui est en train de se mettre en place et qui s'appelle le pacte d'excellence. Et simplement, je vais juste dire une chose, c'est que dans ce pacte d'excellence, donc qui n'est pas encore tout à fait sorti, mais qui va bientôt sortir, il y a sûrement des choses à critiquer et des choses qu'on aimera mieux, mais la créativité est prise réellement comme un des 8 domaines importants, au même titre que les langues, les mathématiques, les sciences, etc., et est considérée comme un domaine transversal, c'est-à-dire devant s'appliquer dans toutes les disciplines. Voilà. Bravo. Je pense que c'est déjà un petit pas en avant. Merci, bravo. Est-ce que l'un de vous, des trois, voulez-vous intervenir encore, peut-être ? Oui, vas-y. Pardon, Caroline. Non, je ne vais pas lever la main. Non, vas-y, Caroline, tu as...
Non, c'est juste rapide, mais moi, ce qui m'a frappé dans ce dossier, et puis finalement au contact aussi, à vous écouter, ça me frappe encore aussi, c'est le plaisir et aussi la jubilation qu'il y a à travailler la créativité avec les élèves. C'était vraiment un plaisir partagé. Il y a quelque chose qui est mis en place, on est dans une synergie en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a une prise de risque de la part des enseignants, parce qu'il y a toujours évidemment, hein, ça ne marche pas à tous les coups, mais en même temps, quand ça fonctionne, pour les élèves, c'est des séances qu'ils n'oublient pas et qui leur sont vraiment chères. Hein. Je me souviens moi de séances où on est actif, en particulier au collège où finalement, moi dans ma génération, on n'était pas très actif et ça faisait partie vraiment tout d'un coup de la découverte de notre propre créativité, de notre capacité à faire des choses. Et ce que j'ai ressenti à la lecture du dossier, quels que soient les enseignants, quelles que soient les filières, on a ce plaisir à voir émerger chez nos élèves une part d'eux-mêmes qui est de l'ordre de la subjectivité, hein, et aussi de la création, quelle qu'elle soit. Et pour nous aussi, il y a quelque chose de très un plaisir partagé et qui, je crois, est vraiment à rechercher et à communiquer à tous ceux qui n'osent pas encore se lancer, mais qui, en fait, en trouveront aussi du plaisir. Voilà. Merci, Caroline Philippe. Mais moi, en t'entendant parler du ministère, du programme, je me rappelle que je fais partie du jury d'un prix d'innovation pédagogique qui était, tenez-vous bien, organisé par un syndicat d'enseignants. Je trouvais ça bien de mentionner que ça existe, ce genre de choses. Mais je voulais revenir sur l'évaluation. Beaucoup de personnes dans le chat, notamment, se questionnaient sur, tiens, est-ce qu'on peut évaluer la créativité? Faut-il le faire? Oui, non. Il y a quand même eu de la recherche fondamentale en créativité et ce que j'ai déjà fait souvent, c'est dire aux enseignants qu'on peut l'évaluer sur quatre critères, très simplement, en basant sur la recherche de Guilford. La fluidité, est-ce que l'élève est capable de produire, par exemple, au moins 5 réponses différentes à une question donnée? Est-ce qu'il est capable d'élaboration, c'est-à-dire d'amener une réponse plus loin en travaillant dessus, en remettant l'ouvrage sur le métier? Est-ce qu'il est capable de flexibilité, c'est-à-dire de produire des réponses variées qui s'inscrivent dans des champs ou des catégories différentes? Voire, flexibilité, c'est également sortir de la consigne pour atteindre l'objectif par un moyen que le professeur lui-même n'avait pas imaginé. Et enfin, l'originalité. Est-ce que dans le champ des réponses produites par la classe, est-ce qu'il y en a un qui produit une réponse tout à fait originale? Et ça aussi, ça mérite d'être souligné, et ça s'inscrit complètement en contre-pied par rapport à ce conformisme qui est tellement, tu l'as dit, et malheureusement valorisé par l'école traditionnelle. Merci. Quelqu'un veut rajouter? Angélique, tu as quelques... Tous mes collègues ont déjà tout repris, mais sinon j'aurais bien dit le choix. Enfin, s'il y avait un mot à retenir dans créativité, ce serait peut-être le choix. Quel choix je fais par rapport à l'institution, quel choix je fais pour mes élèves, quel choix je laisse à mes élèves, peut-être que ça pourrait être un mot. Oui, oui, il y a la créativité, c'est aussi une part de laisser, comment dire, de laisser faire, quoi. C'est d'avoir confiance à la personne qui est en face, qui est un sujet, et qui est aussi capable d'invention et de nous déstabiliser par des questions, par des réflexions. Je dois dire que beaucoup d'enseignants dans cette période difficile qui vient de passer ont fait preuve de beaucoup de créativité dans tous ces enseignements distanciels, hybrides, présentiels, et que j'ai pour ma part le plaisir de voir qu'une salle d'exposition était maintenant installée, un endroit d'exposition était maintenant installé dans mon établissement, mais pas un petit endroit où on affiche des travaux d'élèves. Non, il y a vraiment des supports, des choses qui mettent en valeur les objets inventés par les élèves et qui rendent visible de l'inventivité. Voilà, il est temps maintenant de clore ce webinaire. D'abord, Martine Tassin, Caroline Elissa Garay, Angélique Librecht et Philippe Brasseur, en vous remerciant et pour votre travail pour les cahiers pédagogiques, et vos articles, et pour votre participation de ce soir. Merci Yannick, tu caresses toujours le chat dans le chat dans le sens du poil. Je vous rappelle qu'il existe une bibliographie commentée, une citographie comprenant les références des sites, des albums qui peuvent vous aider sur notre site. Que les cahiers pédagogiques est une revue associative qui paraît par le travail conséquent de nombreuses personnes salariées ou militantes.
sorte, d'ailleurs l'un n'empêchant pas l'autre, et que la période n'est pas simple comme beaucoup de structures associatives. Vous pouvez nous aider, vous pouvez adhérer, diffuser nos publications, militer, nous rejoindre. Voilà. Le prochain webinaire aura lieu le 23 juin prochain autour du dossier numéro 570 qui sera consacré à l'école dehors. Apprendre dehors, voilà. Surveiller, c'est Jean-Michel qui est coordonnateur avec Aurélie Svang de ce dossier qui corrigeait mon imprécision. Vous surveillez notre site pour avoir des informations. Merci à vous, bonne soirée, à très bientôt.